Tout ça pour dire que moi, je suis née au Cameroun. Je suis née au village. Mon village s'appelle Ngobou. Et le soir, au clair de lune, on nous réunissait, on entendait le chef du village avec son gros tam-tam. Ça pouvait être différent, mais c'était à peu près la même chose. Dès qu'il disait, on n'est pas tout seul. Chacun a essayé, on a compris. D'après vous, ça voulait dire quoi? Bonjour. Voilà. Pourquoi faire? Pour danser, pour se réunir le soir et pour raconter quoi? Très bien. Vous avez bien compris. Donc, quand il faisait. Et que tout le monde se réunissait, il recevait un coup. Et puis il disait. Famille, et vous vous dites oh, d'accord? Famille! Oh! Famille! Oh! Très bien! Mais alors, en patois, on disait Angilaye, et vous vous dites Ouessé, d'accord? Ça ne veut pas dire Ouessé, hein? Ou alors, on disait Histoire, raconte. Histoire, raconte. Angilaye, Ouessé. Famille, oh! Famille, oh! Donc, c'est une histoire qui se passe dans la brousse, au Cameroun. C'est une histoire qui concerne les animaux de la forêt. Le lièvre, le lion et le singe. Famille! Oh! Mais arrivé à un certain moment, loin, loin, loin au fond de la brousse, il entend un cri. Mais un cri très, très, très douloureux. Il s'approche, tout d'un coup, il entend une lumière au fin fond d'un puits. Il le regarde, vous ne devinerez jamais ce qu'il arrive là. Le lièvre. Qu'est-ce qu'il a vu dans le puits? Le lion. Famille! Oh! Famille! 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 Histoire! Avance! Donc, bon, il n'a rien compris. Mais comme il ne pouvait rien faire, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti. Et alors, le singe aussi, en tant qu'écrit, mais lui, il a fait. Il ne s'occupe pas, il va chercher à manger. Bon. Mais il continue toujours à entendre ce gros gémissement. Il lui fait pitié, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne ses chemins. Il va voir qu'est-ce qui se passe. Tout d'un coup, il s'aperçoit que qu'est-ce qui se passe? Dans le trou, il y a quoi? Un lion. Famille! Oh! Il y a un lion dans. À manger, mais j'ai pas vu le coup. Qu'est-ce qui s'est passé? Aïe, aïe, aïe. Le singe lui dit, mais c'est dangereux, ça fait très grave, mais je ne peux pas t'aider. Le lion lui dit, mais si, tu peux m'aider. En plus, ça fait très longtemps que je suis dans le trou. J'ai pas mangé, j'ai vu personne, il fait noir et tout, je suis très malheureuse, je crois que je vais mourir bientôt. Ah, le singe, il ne savait pas quoi faire. Bon, il a eu une idée. Il a été chercher une liane dans la brousse. Il est venu, il a essayé de l'enfoncer dans le trou pour faire sortir qui? Le lion. Mais cette liane n'était pas très longue, elle était courte. Il est retourné chercher une autre, il l'a attachée, il l'a envoyée, mais ce n'était toujours pas assez long pour sortir le lion. Famille! Qu'est-ce qu'il a fait le singe? Après avoir réuni toutes les liens, il a rajouté quoi? Salut. Bien. Quand il
il a rajouté sa queue maintenant. Et bien, le lion a pu attraper. Et donc, le singe, il a attrapé quoi? Une branche. Et il a tiré qui? Le lion. Famille! Oh! Donc, écoutez bien, l'homme de Dieu est intéressant. Quand il a sorti le lion du trou, devinez ce qu'il lui a mis le lion, ce qu'il lui a dit. J'ai faim. Et donc il va faire quoi? Manger. Et il va manger qui? Ouh, famille! Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non. On dit que quand tu soignes quelqu'un, tu t'attrapes. Donc, non, au sein, je vais utiliser, ça fait combien de jours? 3 jours. Et je n'ai pas mangé. Mais j'ai faim. Et quand tu es mon premier, mais je vais te manger. Qu'est-ce que le lièvre a dit au singe? De sauver. Voilà.